Oui, et pour en parler, nous avons choisi d'inviter le plus charmeur, le plus Latin lover, des ambassadeurs de ce beau pays qu'est l'Espagne. Mesdames et messieurs, enfin surtout mesdames, Julio Iglesias. Alors, bonsoir Julio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, oui. Yo quiero hacer el amor con vosotros todos. Je te connais, toi. Olvidé de vivir. Bon, ça... Et oublier de ça doit être fatigant de se comporter comme ça toute la journée. Bon, alors... Julio Iglesias, avant toute chose, précisons que vous n'êtes pas catalan mais madrilène, mais avant tout espagnol. Si, je suis de Castille. Oui. Et au pays de Castille, il y avait un garçon. Oui. Ah, ah, c'est excellent. Ah, ah, qui mangeait des cornets, vanille et citron. C'est ça, oui. C'est une chanson, une référence musicale que tout le monde ne connaît pas, mais je sais que mon ami Thierry le connaît. Oui. Bobby Lapointe. Je... Bobby Lapointe, oui. Si. Voilà. Et moi, je la tire. Mes corazón. Oui, alors. Un pepito. Oreo. Pimps. Ça, j'aime chocolate. Bien. Bon, écoutez. Personne ne résiste à l'appel de Juli. Bon, alors. Voilà. Laissez Livia tranquille, s'il vous plaît. Alors, Livia. Si. J'ai envie de ne pas pouvoir résister à te montrer la belle paire que j'ai sous la table. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites? Tu veux la voir, la paire non, que j'ai sous non, la non. table? Non, 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 non. On ne fait rien du tout. La paire de castagnettes. D'accord. Excellente maîtrise. Je pense que vous chantez mieux que vous jouez les castagnettes. Bon, alors. En tout cas. Cascade. Bon, à 74 ans, il y a encore du charbon dans la chaudière. Alors, nous sommes ici pour évoquer l'indépendance de la Catalogne, un problème qui vous touche tout particulièrement. Oh, si, ça me touche. Regarde comment ça me touche. Oui, oui, non, non, mais c'est. Non, je parle. Ça me touche ici, ça me touche ici, arriba abajo, al centro. Touch me, touch me. I want to feel your body. Écoutez, arrêtez ou j'envoie la guerre civile, moi. D'abord, je voudrais dire merci à tout le monde, à vous, de me recevoir dans ce plateau. Je vous en prie. Muchas gracias de me recevoir dans ce plateau où je vois beaucoup de femmes à qui je n'ai pas fait l'amour. Écoutez. On vous a invité pour parler politique, monsieur Iglesias, politique. Si, pero l'amour et la politique, c'est la même chose. Ah bon? Si. Dans les deux cas, pour arriver à ses fins, il faut mentir. Tu es belle comme un chocolat chaud qui fume dans la cassinière de mon désir. Oui, alors... Oh. Et dans mon chocolat chaud... Non, fais pas ça. Je vais tremper mon chou. Non. Monsieur Iglesias... On a dit qu'on l'enlevait. On l'a dit qu'on l'enlevait, celle-là. Pardon, j'avais pas compris. Oui, c'est ça. Bon, alors, j'aurais voulu connaître votre avis. Le salaud. J'aurais voulu connaître votre avis sur l'indépendance de la Catalogne. Si, pero quand une femme veut être indépendante, il faut lui donner ce qu'elle désire. Tout ce qu'elle désire. Ah oui. Mais pas la carte de crédit, sinon tu es ruiné. J'ai du mal avec l'idée que la Catalogne se sépare de l'Espagne. Parce que, vous savez, il n'y a que 20 millions de femmes à qui on peut faire l'amour en Espagne. Et si tu retires 3 millions de Catalans, ça fait plus que 17 millions de femmes à qui faire l'amour. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes contre l'indépendance de la Catalogne. Si, mais je suis pour l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Ce qui permettrait d'avoir 30 millions de femmes en plus. Que se passerait-il si la Catalogne devenait indépendante? C'est quoi? Que se passerait-il si la Catalogne devenait indépendante? J'ai entendu dire que des dirigeants de la Catalogne avaient rencontré des dirigeants de 3 régions de la Suisse pour se faire rattacher à eux.
que la Catalogne se rattacherait à la Suisse. Mmh. Pas entendu ça, moi. Vous n'avez jamais entendu parler des Catalognes des 3-6 ? Quand je pense que c'est là, on a failli l'enlever. Alors maintenant, la Catalogne est très riche. Hein. Vous comprenez qu'elle veut rééquilibrer son économie, par exemple. Si, mais la véritable puissance économique, la véritable richesse de l'Espagne, elle était ici, en Belgique. Et pas beaucoup de Belges ont pu en profiter. Ah bon, qui ça? Fabiola. Si. Et je voudrais remercier tous les peuples belges d'avoir donné tant de donations. Oui, et, oui. D'avoir permis d'enrichir la moitié de la Castille. Oui, ça c'est sûr. Ah. Ça c'est sûr. Bon, pour en finir avec votre fine analyse, alors, la Catalogne. Alors, c'est très simple, c'est très simple. La Catalogne, c'est au sud. Au sud de l'Espagne. C'est au nord, mais. Si, c'est au nord de l'Espagne. Ça c'est le nord. Je parle pas bien français. No hablo mucho. Vous parlez pas bien espagnol non plus. Non, je sais. Et donc? C'est au nord de l'Espagne. Si, si. Et au sud, ils sont au mar. Le nord, à mar du sud. Parce que le sud, il est fatigué, il est fainéant, il y a du chômage. Vous comprenez ça ici en Belgique? Oui, on comprend, très bien, ça. Alors si tu comprends très bien, c'est bien, tu es intelligent. J'espère que toutes les femmes ici comprennent que ce soit... Je vais le faire oui, bon, là. Alors dis donc, excuse-moi, Rocco Iglesias, là. Donc, en Catalogne. Oui, en Catalogne, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que ah bon? Si tu veux, à l'intérieur de la Catalogne, il y a des communes à Facilidad, dans lesquelles on parle espagnol. Alors que dans tout le reste de la Catalogne, on parle catalan. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, comment s'appelle ceci? Comme une... Croinemos. Linkebecos. Huemelos. Huesembecos opemos. Roda Santos Generos. Il en manque une, hein? Ah si, pardon, j'avais oublié. Droguembos. Alors, vous êtes donc favorable à ce que la Catalogne reste attachée à l'Espagne, mais que faites-vous concrètement pour que ce soit le cas? Est-ce que vous militez un peu, par exemple? Non, non, je ne milite pas, je fais mieux que ça. Pardon? Je chante. Ah bon? Musique. Vous les femmes, oui. Catalanes, vous êtes aussi belle que Jean-Luc Théâtre. Dépendante, rigolote, et surtout lorsque vous vous coiffez comme David Jamot. Avec nos millions de roses, on vous en trouve. Oui, oui, c'est ça. Et tout ça pour elle, c'est de faire l'amour. Oui, ça va, c'est bon, ça va. Je vais faire oui, non, 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 vous n'allez pas faire l'amour à tout le monde. Non, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous empêcher, vraiment, mais même une chanson sur l'indépendance de la Catalogne... Bravo, papi! Même une chanson sur l'indépendance de la Catalogne, vous la transformez en quelque chose de sexuel. Oh non, non, je ne pense pas qu'à ça, non. Ah non? Et vous pensez à quoi, alors? Si, tu as raison, tu n'as pas dit ça. Merci beaucoup, alors. Merci, hein, merci beaucoup. Oh, merci de faire la bonne. Merci de faire la bonne. Ah, quelle bonne ambiance. Et nous chantons, nous descendons.